Salut. Yeah! Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que la vidéo mise au point a été postée et que depuis j'aurais dû reprendre les vidéos. Mais voilà, je suis flemmard, donc j'avais la flemme d'en écrire et je l'ai pas fait quoi. Et alors? Donc voilà, aujourd'hui nouvelle vidéo, alors qu'on soit d'accord. Y a pas de sujet précis, ce sont juste des choses qui me sont passées par la tête. Roger, intro, wouh! C'est bien ça. Re-salut. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être malade? Quoi? Je demande. Bref, ça arrive à tout le monde, sinon... Respect, hein. Là où je veux en venir, c'est est-ce qu'en cours, vous avez déjà eu la merveilleuse idée d'aller à l'infirmerie pendant que vous ne sentiez pas bien? Oui, ça tombe très bien parce que ce que je vais vous dire vous rappellera des choses. Vous êtes en cours, vous ne vous sentez pas bien, donc vous demandez si vous pouvez aller à l'infirmerie. Madame, je peux aller à l'infirmerie, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, installez-vous. Merci. C'est lugubre ici. Eh oh, ça va, hein, c'est pas parce que je suis infirmier que je dois avoir une infirmerie blanche, hein. Bah ouais, mais c'est quand même mieux en blanc. Mais du vrai blanc, quoi, parce que ça... Ça, c'est genre du crépi, fait, c'est pas beau. En plus, t'as un câble, là. C'est quoi, ça? Et là, c'est... Enfin... Je suis pas à l'aise. Ah ouais, tu veux du blanc? Merci. Mais si je peux me permettre, c'est dégueulasse. Alors, que me vaut l'honneur de votre visite? Bah, je suis malade et... Mais on s'en déc, mais t'as quoi? J'ai mal à la tête, j'ai des vertiges. Alors, sur une échelle de 1 à 10, où est ta douleur? 8, peut-être. Ou 8,2. Ou 8,3. Mais j'ai mal, hein. Ok, tu sais quoi? Tu prends ces Doliprane matin, midi et soir. Et après-midi. Et dans la nuit, à 4h30 du matin. Voilà, tiens. Ok. Oui, parce que selon eux, Doliprane et Dafalgan... C'est le remède à tout. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Dafalgan, c'est le petit frère du Doliprane, tout simplement. Par contre, là, histoire vraie. La semaine dernière, je suis allé à l'infirmerie et l'infirmier me sort une phrase que jamais je pensais entendre à l'infirmerie. Bonjour. Bonjour. C'est pourquoi? Ouais. Je vends des calendriers, donc je suis passé par là, hein, des fois que ça vous intéresse. Partons à autre chose. Comme tout le monde, je pense que t'as des amis et si t'en as pas, bah c'est un peu triste, mais bon, je vois pas trop ce que je peux faire pour toi. Donc je m'adresse aux personnes qui ont des amis. Ayant des amis, je pense que vous les avez déjà invités chez vous. Et la première fois que l'un d'eux venait chez vous, vous vous souvenez de la petite phrase qu'il disait lorsqu'un besoin s'imposait? Mec, t'as des toilettes? Non, je suis juste là. Hein. Là, là-bas, dans le coin. Ouais. Non, mais sérieux, quoi. Mais c'est toi qui es sérieux avec ta question de merde. Tu sais quoi? Je te supprime de Facebook. Je t'invite plus sur Candy Crush Saga et le pire, tu sais quoi, je t'envoie plus de whisky sur un message, je m'en vais, c'est bon là. Lui, je ne l'ai plus jamais revu. Une dernière chose. Ah ouais, vous aimez vous poser tranquillement et écouter de la musique grâce à cette merveilleuse invention. Et tu sais pas pourquoi? Parce que tous les aimants, les trucs qui sont aimantés, non, je veux dire les éléments. Eh ouais, ils sont pas comme ça, m'en vais moi. Et tu sais pas pourquoi, mais tous les éléments sur cette terre vont t'empêcher d'être tranquille. Au point que tout le monde vienne te parler. Dis-moi, t'aurais pas vu mon téléphone? Non. Et coupons. Non plus. Et mes tampons? Tes tampons. Et mes règles? T'as tes règles. Arnaud, tu es un garçon de sexe masculin. Cependant, tu n'as pas de cycle de règles. Alors, j'aime bien en porter, c'est confortable. Casse-toi. Ok. J'ai pas de frère qui s'appelle Arnaud et qui aime bien porter des tampons. D'accord? Je dis ça parce que, hein, pas de confusion ni rien. C'est même moi-même. Moi, j'aime pas, hein, je crois. Je peux pas essayer. Je veux pas essayer. Salut. J'aime pas les tampons, hein. Je suis encore là. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez kiffé. La prochaine vidéo sortira. Je sais pas quand. Sur ce, passez une bonne nuit, matinée, journée, soirée. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.
toujours là, hein. Ouais, Je voulais dire, les tampons que je viens d'essayer, tu vois. J'aime pas.